Oui, vas-y, ouais. Alors, je m'appelle Hélène Etchanchu, je suis professeure associée à Montpellier Business School. Je suis fondatrice de la chaire Communication and Organizing for Sustainability Transformation, donc la chaire COAST, qui œuvre pour la transition écologique et sociétale, donc à Montpellier Business School. Alors, les trois piliers du développement durable, c'est l'économique, le social et l'environnemental. Dans le passé, en fait, le problème, c'est que l'économique prenait généralement le dessus. On faisait du social et de l'environnemental si on pouvait se le permettre. La raison d'être de l'économie donc pour l'avenir, c'est vraiment de créer une économie qui est au service du bien-être à la fois de l'homme, mais qui fait partie intégrante de notre biosphère. Il faut que l'homme maintenant et l'économie, elle soit vraiment imbriquée dans notre environnement et dans notre société. Une vision alternative de l'économie qui prend de plus en plus d'ampleur, on va dire, c'est l'image du donut, donc la théorie de donut qui a été promue par Kay Traver. À l'extérieur, en fait, on a les limites planétaires. Et à l'intérieur, il y a le cercle donc, du plancher social en dessous duquel il ne faut pas tomber. Du coup, entre ces deux planchers-là, donc l'environnemental du coup, avec les limites planétaires et le seuil donc, social, ben, il y a ce qu'on appelle donc, une économie qui serait redistributive et régénératrice. Nous, en fait, on travaille sur deux axes majeurs, donc l'axe de la communication et de l'organisation au service de cette transformation durable. Et nous, au sein de la chaire, on œuvre réellement pour intégrer à la fois donc, la communication, donc des nouvelles manières de penser, de réfléchir, d'imaginer l'économie et associer, bien sûr, avec des nouvelles pratiques qui transforment réellement notre économie. Donc, il y a plusieurs activités dans le cadre de la chaire. D'abord, donc, tout ce qui est recherche justement pour nous aider à imaginer et à théoriser, à modéliser donc, ces nouvelles manières de faire et de penser. Nous travaillons avec des approches systémiques, donc, notamment autour des systèmes socio-écologiques. Après, on fait aussi de la recherche-action, notamment avec des parties prenantes qui sont engagées dans la transition pour voir comment on peut améliorer et rendre plus efficace leur impact au service donc, de la transition écologique. Évidemment, donc, les connaissances qu'on crée grâce à la recherche, après on va les transposer dans notre enseignement. Donc, un exemple parmi plusieurs modules et dispositifs que nous sommes en train de mettre en place, c'est la rentrée climat. La rentrée climat, en fait, donc, à Montpellier Business School, on a pris l'engagement de former 100% donc, des étudiants, mais aussi des collaborateurs. En fait, la fresque du climat, c'est un atelier qui va faire comprendre aux étudiants, aux participants, le dérèglement climatique. Donc, en fait, on va les amener à réfléchir à leur propre rôle et les actions potentielles à mettre en place, nous, à notre échelle. Au sein de la chaire, on est en train de lancer l'Observatoire des récits durables. Donc, l'idée, c'est d'installer donc, un observatoire au niveau national qui va pouvoir mesurer et tracer l'évolution dans le temps de nos imaginaires, de la manière de comment nous on parle, et de la transition écologique et de la transformation durable, notamment. On est aussi en train de lancer donc, un nouveau certificat à Montpellier Business School, le certificat du management de la transformation environnementale et sociétale. Ce certificat va permettre aux étudiants de devenir managers et acteurs de la transition. On va les mettre en situation sur des écolieux, ils vont faire la permaculture. En fait, l'idée, c'est d'avoir une approche pédagogique qui est aussi transformationnelle, notamment en suivant les principes de la pédagogie tête-corps-cœur.